l'adieu d'un peuple, celui de la Côte d'Ivoire. À son fils le plus digne, le président Félix Oufouette-Boigny, décédé le 7 décembre 1993 à Yamoussoukro, son village natal situé à 230 km d'Abidjan. Oufouette-Boigny s'est éteint à l'âge de 88 ans à Yamoussoukro, dans sa résidence sise au bord du lac au caïman sacré. À l'annonce de cette disparition, les populations ivoiriennes, meurtries, conformément à la tradition, ont fait le déplacement pour Yamoussoukro. Objectif, présenter leurs condoléances à la famille éplorée selon les us et coutumes en vigueur chez chacune de ces populations. De deux semaines, les populations ivoiriennes, venues du nord au sud, de l'est à l'ouest, iront s'incliner en signe de compassion devant la famille Oufouette-Boigny, brisée par l'émotion et le chagrin. Cette première partie des obsèques à Yamoussoukro durera donc près de trois semaines. La deuxième aura pour cadre Abidjan, capitale économique de notre pays. Les 2, 3 et 4 février 1994, la dépouille mortelle sera exposée au palais de la présidence au plateau. Palais présidentiel au plateau, ce mercredi 2 février 1994. Date tant attendue par la population d'Abidjan qui a tenu à se trouver aux abords du palais pour tenter de réaliser l'irréalisable. Les initiales HB resteront à jamais gravées dans nos mémoires. Une bougie au pied du géant, le baobab s'est couché. Une famille éplorée, brisée par le chagrin, le visage labouré par l'émotion, une douleur qu'elle tente de contenir. Du coup, comme un film, des pans entiers de l'histoire vécue avec l'illustre disparu défilent. Cette mémoire ne fait que raviver cette peine à fleur de peau. Monsieur le Président, dans ce sommeil profond qui est le vôtre, veuillez écouter l'hommage de l'Orchestre de l'Harmonie de la Garde républicaine, dirigé par le chef principal, Robert Antoine. Vous vous en souvenez certainement, c'est vous-même qui avez contribué à la mise sur pied de cet ensemble pour vous permettre d'avoir un sommeil doux. Il a confectionné ce spécial intitulé « Sang d'offrande ». Monsieur le Président, pour vous permettre d'avoir le sommeil doux et léger. Le ton de l'hommage au président Oufouette-Boigny a été donné par le chef de l'État, le président Henri Konan Bédier, proche collaborateur du président Oufouette-Boigny, M. Henri Konan Bédier, qui avait à ses côtés son épouse. Suivront le premier ministre chef du gouvernement, M. Duncan Cablan Daniel, et son épouse, le président de l'Assemblée nationale, M. Charles Boza Denvoyé, et son épouse, le président du Conseil économique et social, M. Philippe Grégoire Yassé. Le président de la Cour suprême, M. Kouy Mamadou.
le grand chancelier de l'ordre national, M. Germain Covigado, et son épouse. L'ancien premier ministre, chef du gouvernement, M. Alassane Ouattara, venu également s'incliner sur la dépouille mortelle du président Fode Boigny. À noter que la dépouille mortelle repose sous un abri dans une vitrine réfrigérée, un abri de 6 mètres de large, avec une hauteur totale d'un mètre 30. La dépouille mortelle est recouverte d'un pagne blanc brodé de fil d'or, ornement œillé orange et blanc, et de feuillage vert. Membres de l'actuel gouvernement se sont rendus également au palais présidentiel, se pencher, s'incliner sur la dépouille mortelle du président Félix Houphouët Boigny. Le président Houphouët Boigny, qui disait d'ailleurs « conduire un État », cela veut dire, me semble-t-il, au-delà des prestiges, des contraintes et de l'infinie complexité des engagements quotidiens que cette conduite requiert, ne jamais perdre de vue le sens d'une certaine continuité historique. Il ne s'agit point de jurer, fût-ce, comme on l'a dit, l'imprévisible. Il s'agit plus fondamentalement de maintenir très vive sa conscience des autres, sa conscience des besoins et des espérances des autres, et notamment de ceux que le hasard de la naissance ou de la vie ont rejetés aux marges du bien-être et rendu implacable de peser sur le cours des choses, également d'un intérêt général qui ne se réduisent pas à la somme d'intérêts particuliers, mais qui soient le reflet des plus justes équilibres. C'est peut-être le lieu de se souvenir de ces propos du président Houphouët Boigny quand il disait également « La modestie, la patience, la sagesse et la tolérance sont aussi des valeurs pour l'État. » Houphouët Boigny a toujours demandé à ses collaborateurs de cultiver ces notions-là. Ne disait-il pas d'ailleurs de ceux qui disposent dans la vie politique, dans les administrations et dans les affaires du sort et du bien-être des citoyens, qu'ils se doivent de prendre une plus digne conscience de l'ampleur de leurs devoirs et des limites de leurs droits. Houphouët Boigny, un grand homme assurément dans toute l'acceptation du terme. Houphouët Boigny, pour qui le respect et la considération sont des éléments primordiaux, mais il ne se commande pas, précise-t-il. Il se mérite notamment par une vision claire des objectifs à atteindre, par une judicieuse adaptation des buts et des voies de cette politique aux moyens dont nous disposons, par une appréciation également constante de l'essentiel par rapport à l'accessoire et par notre engagement sans réticence dans un combat librement consenti. Combat librement consenti et accepté aussi bien par les ministres actuel du gouvernement que par les anciens ministres qui ont également contribué chacun à sa manière à faire avancer ce pays sur la voie de l'évolution. Ce matin, tous sont venus dire leur reconnaissance au président Houphouët Boigny. Le président Houphouët Boigny a dit lui-même un jour, il y a des morts que l'on ne pleure pas. Ceux dont les sacrifices n'ont pas été vains. Monsieur le Président, vous êtes de ceux-là. On ne doit pas vous pleurer, eu égard à tout ce que vous avez fait pour ce pays, pour ce continent, pour le monde. Mais hélas, nous sommes des humains. Alléluia.
sont venus également se joindre à la douleur des Ivoiriens, le corps diplomatique, dirigé par le doyen, le nonce apostolique, Monseigneur Yanus Polonek, suivi des chefs de mission ainsi que des représentants des organisations internationales. S'adressant au corps diplomatique, le 1er janvier 1974, Oufour Boigny disait, je cite, « La diplomatie est un art majeur. Elle ne devrait jamais être que l'une des formes les plus élaborées du dialogue, d'un dialogue fait non point d'addition de monologues calculés et de concertations obligées et vaines, mais de compréhension lucide, de vues amples et sages, et de besoins de dignité. La diplomatie devait être beaucoup plus qu'un dernier recours et le remède extrême, la règle première est consentie par tous qui prévient le heurt, apaise les tensions naissantes et pondère toutes choses au seul service de la paix et de la fraternité des hommes. Nous serons toujours présents, a affirmé un jour le président Oufour Boigny, au rendez-vous de la paix, de la solidarité et de la coopération. La Côte d'Ivoire est toujours attachée à offrir le visage d'un pays fraternel, aussi conscient de ses responsabilités que de ses droits, fidèle à ses engagements, à ses principes comme à ses amitiés, disposé au dialogue, ouvert aussi à toute solution neuve, dès lors qu'elle lui paraît empreinte de bon sens et de réalisme. Après le corps diplomatique et les chefs de mission, ainsi que les représentants des organisations internationales, les députés, nos parlementaires. L'activité d'un parlement, a dit un jour le président, est l'un des reflets de la vitalité d'un pays. J'entends, bien entendu, l'activité d'un parlement orienté vers le concret et le positif, et allant à l'essentiel, c'est-à-dire à la discussion des questions d'intérêt national, dans un esprit national. Il a également ajouté que cette lutte perpétuelle pour préserver les acquis et concrétiser les espérances qu'est la vie d'un pays moderne suppose réflexion collective et information réciproque des dirigeants et des masses. Et cela sur les problèmes, les solutions envisagées, les raisons des décisions prises, ainsi que le suivi de leur mise en œuvre. Je ne crains pas de dire, a poursuivi le président Oufour Boigny, que le rôle d'un parlement est capital dans cette tâche et que c'est la noblesse de la fonction parlementaire que d'être au point de rencontre de la décision et de l'exécution. Après les parlementaires, les membres du Conseil économique et social, venus également rendre hommage au président Oufour Boigny, un grand homme. Des années durant, il a dirigé notre pays avec tact, diplomatie, doublé d'un amour qui a su résister à l'épreuve du temps. Oufour Boigny, dernier géant des chefs. Oufour Boigny s'en va avec la satisfaction du devoir accompli. Monsieur le Président, vous laissez un peuple épris de paix.
Après les conseillers économiques sociaux, les conseillers de la Cour suprême, les membres du Conseil de l'ordre national, les ambassadeurs de Côte d'Ivoire à l'étranger, les préfets, les maires, les cultes, avec notamment les catholiques, les musulmans, les protestants, les haristes, les officiers généraux et les officiers supérieurs des Fancy, les magistrats, le recteur, le conseil et les professeurs d'université, les officiers généraux et les officiers supérieurs de la police, les partis politiques. C'est le lieu de rappeler que le président Oufuor-Boigny est né le 18 octobre 1905 à Yamoussoukro. En 1932, la défense des paysans africains d'Abangourou, auquel le cacao était acheté à un prix dérisoire, annonce le premier combat politique de Félix Oufuor-Boigny. Ce combat va non seulement lui permettre de prendre conscience de ses véritables aspirations politiques, mais également donner le signal de sa lutte pour le mieux-être de l'homme africain. Devenu en 1940 chef de canton, il quitte l'administration et étend son action. En 1944, en pleine Seconde Guerre mondiale, il crée le Syndicat agricole africain de Côte d'Ivoire. Pour Félix Oufuor-Boigny, la guerre a sonné le glas des grands empires coloniaux. C'est ainsi qu'il a fondé en 1945 le Parti démocratique de Côte d'Ivoire et en 1946 le RDA, Rassemblement démocratique africain. Malgré la violente opposition de l'administration coloniale, Félix Oufuor-Boigny a été élu en octobre 1945, député à l'Assemblée constituante française. Attaché à sa terre, conscient des responsabilités coutumières que lui impose sa qualité de chef, seul homme de sa famille après le décès de son frère, c'est presque contraint et forcé qu'il se rende en France. Il sera représentant de la Côte d'Ivoire au Palais Bourbon jusqu'en novembre 1958. D'abord proche du groupe communiste de 1946 à 1951, il se rapproche ensuite de l'UDSR, où il fera la connaissance d'un certain François Mitterrand. C'est à Paris qu'Oufuor-Boigny gagne sa première grande victoire politique, en obtenant, vous le savez, le vote sans débat d'une proposition de loi déposée par lui et dont il est le rapporteur. Cette loi, appelée bien évidemment loi Oufuor-Boigny, qui abolit le travail forcé, est accueillie par tous les peuples africains comme une délivrance. Ayant acquis une forte popularité et la fidélité électorale d'une paysannerie qui se transforme de plus en plus en bourgeoisie face aux citadins détribalisés, Oufuor-Boigny est constamment réélu comme conseiller général, conseiller territorial et président de l'Assemblée territoriale puis constituante. Il est de 1947 à 1959 membre du Grand Conseil de l'AOEF qu'il préside pendant tout juste un an avant de participer à 6 gouvernements français. Dans le gouvernement formé par Guy Mollet, il est ministre délégué à la présidence du Conseil, puis ministre d'État et enfin ministre de la Santé publique. Félix Oufuor-Boigny est nommé ministre d'État du Général de Gaulle lors de la création de la communauté française et ministre conseiller pour les affaires étrangères dans le gouvernement de Michel Debré. Pendant une douzaine d'années, il aura donc vécu au cœur de la vie politique française, ce qui le marquera profondément dans son action politique tout au long de sa vie. Auprès du général de Gaulle, Oufuor-Boigny se voit chargé en particulier de l'établissement du projet constitutionnel dans sa partie concernant les territoires d'outre-mer. Son action a donc été déterminante sur les problèmes de l'Afrique noire. Oufuor-Boigny est même à la base de la rédaction et de l'adoption de la loi cadre sur l'évolution des territoires d'outre-mer qui, en instaurant le suffrage universel en Afrique noire française, ouvre les portes d'abord à l'autonomie puis à l'indépendance. Appelé à prendre la direction du gouvernement ivoirien, Oufuor-Boigny remet sa démission de ministre français le 30 avril 1959. Le premier ministre Oufuor-Boigny demande l'indépendance pour son pays, la Côte d'Ivoire. C'était en juin 1960. L'indépendance de notre pays est proclamée le 7 août de cette même année et Oufuor-Boigny en devient le président. Son mandat fut renouvelé à 6 reprises. En novembre 1965, en novembre 1970, en novembre 1975, le 17 octobre 1980, le 27 octobre 1985 et enfin le 28 octobre 1990. Doyen des chefs d'État du continent, Oufuor-Boigny aura battu tous les records de longévité politique en dirigeant avec beaucoup de doigté notre pays, la Côte d'Ivoire.
pendant plus de 30 ans. La Côte d'Ivoire, un grand pays qui, grâce au président Oufuor Boigny, fait bien des ambitieux. Le père de la nation a fondé la construction du pays sur le libéralisme, non pas sauvage, mais raisonnablement contrôlé. La Côte d'Ivoire a connu ainsi une progression économique fantastique au cours des deux premières décennies de son indépendance. La production agricole a régulièrement augmenté et l'État a veillé à diversifier les cultures. La Côte d'Ivoire, premier producteur mondial de cacao, premier producteur africain de cacao. Les deux chocs pétroliers qui vont générer la crise économique mondiale ne vont pas épargner pour longtemps notre pays, la Côte d'Ivoire. L'inflation, la hausse du dollar, les aléas climatiques et surtout l'effondrement des cours du café et du cacao vont bouleverser quelque peu nos plans. Mais Oufuor était là. Il est là, même s'il part. Oufuor Boigny n'a rien à craindre. Il peut dormir en paix, dans la paix du Seigneur, sans qu'il ait besoin de s'interroger si, une fois parti de l'autre côté de la rive, le peuple lui saura gré pour l'œuvre immense qu'il a accomplie ici-bas. Oui, Monsieur le Président, vous pouvez être fier de votre œuvre. Si votre famille et vous-même avez douté ne serait-ce qu'un seul instant, alors regardez ces images et dites-moi, Monsieur le Président, comment expliquer ce torrent d'hommes et de femmes unis dans le drame venu communier au palais présidentiel ce jeudi matin. Monsieur le Président, ces hommes et ces femmes n'ont pas été contraints de venir se recueillir sur votre dépouille mortelle. Ils l'ont fait mu par le sentiment de reconnaissance qu'ils vous doivent. Monsieur le Président, vous avez fait de notre pays un havre de paix où il fait bon vivre. Tous, à quelque niveau qu'ils soient, ont voulu, par leur présence, pouvoir témoigner et dire « Oui, je me suis incliné sur la dépouille mortelle de mon président ». Toutes ces populations ne veulent pas se faire raconter l'histoire. L'histoire qui dira, le jeudi 3 février 1994, des hommes et des femmes, heureux d'avoir bénéficié des bienfaits d'Oufuor, ont témoigné en présence de Madame Marie-Thérèse Oufuor Boigny, une grande dame qui, des années durant, a vécu dans l'ombre de celui à qui elle a tout donné. Une dame qui, digne, supporte sur ses épaules depuis plusieurs semaines la disparition de l'homme de sa vie. Monsieur le Président, à supposer un seul instant qu'endormi dans la paix du Seigneur, vous ne puissiez pas apprécier cette réalité de tout ce flot d'hommes et de femmes ayant déferlé ce jour au palais présidentiel. Dans le grand salon, vous avez coutume de nous entretenir des grands sujets de l'histoire. À supposer donc cela, Monsieur le Président, alors par la grâce de Dieu, veuillez écouter les réactions de ces hommes et de ces femmes qui pleurent aujourd'hui. Tonton, c'est lui qui est là pour qu'il nous mange. Moi, j'ai fait très fauché. Tu vois, c'est à cause de lui qu'aujourd'hui, nous mange. Sinon, j'ai fait très fauché. Moi, je suis compté. Mais aujourd'hui, je crois, j'ai 27 gosses. C'est à cause de lui, les 27 gosses qui mangent aujourd'hui. Je veux que de là-haut, il nous garde. Et toujours, il a voulu la paix. Et que nous tous, sur terre, paix dans les foyers, dans toute la famille et dans le monde entier. Et qu'il veille sur nous de là-haut. Parce que je sais que c'est un saint. Et il nous voit tous. Oui, madame, vous avez parfaitement raison. Oufuor Boigny nous voit tous. Oufuor Boigny, si proche de son peuple et qui aimait à dire « Moi, Oufuor,
Hors du peuple, je ne suis rien. C'est ce peuple-là qui effectue depuis ce matin le déplacement pour le palais présidentiel. Les regards imbués de tristesse, regards douloureux de tout un peuple. Foule anonyme venue dire adieu au président Houphouët-Boigny, qui a toujours fait de l'homme la finalité de son action. Il l'a confirmé d'ailleurs un jour en affirmant, je cite, « La finalité de notre politique a toujours été et sera toujours l'homme. L'homme que nous voulons voir s'élever chaque jour davantage. » Voir améliorer son niveau de vie et faire parvenir, grâce à notre action constructive, à égalité avec les hommes les plus évolués de la Terre. C'est notre ambition et nous ferons en sorte que, Dieu aidant, nous parvenions à remplir honnêtement, honorablement notre ambition. » Fin de citation. Monsieur le Président, c'est chose faite. Tous, quelles que soient leurs conditions sociales, sont venus ce jour au palais présidentiel, incapables de contenir leurs larmes. Ils ont perdu un être cher. Ces hommes et ces femmes sont venus se recueillir. Ils n'ont pu s'empêcher d'éclater en sanglots. Je vous entends dire, Monsieur le Président, courage mes enfants, faites fructifier mon héritage. Oui, des paroles encourageantes, Monsieur le Président, mais notre émotion est grande, très grande. Vous venez de voir le corps du président. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est ce qui me fait pleurer. Et je ne peux pas ne pas verser des larmes pour mon père président. Parce qu'il a fait beaucoup de choses pour nous. Comme on dit, le président était mort. Je me suis mis à pleurer parce qu'il a fait des trucs bien pour nous. Vous l'avez vu mort là maintenant. Qu'est-ce que vous a fait? Moi, ça m'a beaucoup peiné. Quand je pense à tout ce qu'il a fait, vraiment, il a beaucoup fait. Quand je pense à ça, ça me fait mal. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais vraiment, ça me fait... Je ne peux même pas tenir, je tremble. Monsieur le Président, ils sont tous venus, quelle que soit leur origine, tous ceux qui ont pu bénéficier du bienfait de votre politique de paix. Toutes vos sœurs, tous vos frères, le cœur en peine, incapables de contenir la douleur qui les anime. Ils repartent chez eux après avoir murmuré des mots, le visage en peine, incapables d'endiguer le flot des larmes. Monsieur le Président, ils ne savent que faire. Comprenez-les. Je ne sais pas ce qu'il faut faire. Que voulez-vous faire d'autre? Le Tout-Puissant nous a donné au Houphouët-Boigny, il nous l'a repris. Madame la Présidente Marie-Thérèse Houphouët-Boigny, n'éclatez plus en sanglots, essuyez vos larmes, car votre mari, notre père à tous, Félix Houphouët-Boigny, n'a pas vécu inutile. Les anges de Dieu, priez pour nous. Saint Jean-Baptiste, priez pour nous. Saint José, priez pour nous. Invocation de tous les saints pour le repos de l'âme.